bien bonjour déjà pour commencer. Je crois qu'il n'a pas fait d'erreur, je vais lui demander de rectifier. Donc j'ai effectivement fait pas mal d'albums de bande dessinée, j'ai travaillé pour le dessin animé, il manque encore quelques petites choses. J'ai fait un album de Spirou, une autre série qui s'appelait Venezia pour Dargo, et puis un album qui s'appelait OVNI chez Delcourt, qui est devenu une série de dessins animés pour Canal+. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. J'avais préparé toute une logique comme ça, mais comme il y a eu les attentats, ça m'a quand même pas mal perturbé. Il y a à peu près un mois, il y a un peu plus d'un mois, j'étais à Nérac, pas très loin d'ici, à 130 km, et je m'adressais à des classes d'enfants, CM1, CM2, 6e, et puis il y avait une fille qui m'observait du fond de la salle, qui me regardait leur expliquer des tas de choses sur le dernier album que je viens de publier, qui est Astrid Bromure, chez Rue de Sèvres. Et elle vient me voir après, puis elle me dit « Mais qu'est-ce que tu leur racontes à tes enfants ?» Et je lui dis bah, « je leur parle de la différence entre la fiction et la réalité. » Et cette personne-là, c'est Catherine Meurice. Catherine Meurice me dit bah, « T'as raison, de toute façon, il n'y a plus rien d'autre à faire que d'expliquer des choses aux enfants, parce que les adultes n'y comprennent plus rien. » Catherine Meurice a échappé à l'attentat de Charlie Hebdo le 7 janvier, parce qu'elle arrivait 10 minutes en retard. Et à ce moment-là, je lui ai envoyé un texto pour lui dire que je lui reprocherai plus jamais d'arriver 10 minutes en retard, parce que ça peut sauver une vie. Donc voilà, je me suis dit, la fiction, la réalité, c'est important d'expliquer ça, et pour moi, le passage de l'enfance l'adolescence, c'est le passage de la fiction à une autre fiction qui tend petit à petit à devenir la réalité. Et lorsqu'on arrive à faire la synthèse, à réconcilier, disons, son enfance avec son adolescence, parce que là je vois qu'il n'y a pas tellement d'adolescents, il n'y a pas tellement d'enfants, il y a surtout des adultes, ben on devient un adulte. Et suivant la qualité de son enfance ou celle de son adolescence, disons plutôt que suivant la qualité de son enfance, on a raté l'adolescence et la synthèse ne sera pas la même et on ne deviendra pas le même adulte. Donc voilà, c'était une première vague. Je pensais à ça il y a un mois quand on m'a demandé de venir ici. Et entre-temps, il y a eu des attentats à Paris. Moi, j'habite à côté de Paris. J'ai mon fils qui a 20 ans en études d'architecture qui est étudiant à Belleville et qui, tous les vendredis soirs, avec tous ses copains, va dans le quartier qui a été cible. Donc il était à 200 mètres de premier attentat, dans un café. Et quand j'ai vu ce qui se passait, je lui ai demandé où il était. Heureusement, pour une fois, il était fatigué, il est revenu plus tôt. Mais au moment où il est revenu, il était en train de bloquer les lignes. Donc tous ses copains sont restés barricadés dans des cafés où ils n'ont pas pu rentrer chez eux. Donc je me suis dit qu'effectivement, là... il y avait vraiment un problème de passage de fiction à la réalité. C'est-à-dire que pour beaucoup de personnes, les attentats, que ce soit Charlie, soit l'attentat d'il y a quelques jours, c'est la télévision. Donc, c'est pas la réalité, la télévision. Parce que, à partir du moment où on prend une image, qu'on écrit un texte, par rapport à quelque chose qui s'est passé, on nous dit oui, mais c'est une histoire vraie ou c'est un reportage, mais pour moi, c'est jamais une histoire vraie, c'est réinventé. Et ce qui est réinventé comme ça crée toujours une distance, et même si ça nous parle, on ne se sent pas vraiment concerné. Sauf que moi, j'ai connu des gens morts dans l'attentat de Charlie, Cabu, Wolinski. J'ai croisé Charme, je me souviens de Charme qui était toujours avec ses gardes du corps. Et c'est pas de la fiction. Donc ça me perturbe effectivement énormément. Donc je me dis que le passage de l'enfance à l'adolescence, il n'est pas le même pour tout le monde. Et qu'effectivement, la qualité de ce qu'on va donner aux enfants va faire qu'on n'aura pas les mêmes adolescents. Ça, c'est évident. Et aujourd'hui, je trouve que beaucoup d'adultes sont extrêmement égoïstes, individualistes, et veulent avoir leur carrière,
Alors les femmes, comme les hommes, veulent avoir les mêmes droits. Bon, j'ai lu hier qu'il y a des gens qui avaient calculé que dans 118 ans, les hommes et les femmes auraient en France les mêmes droits, ce que j'ai trouvé complètement idiot, parce qu'à la vitesse où on va, vu comment on gaspille, comment on pollue, il n'y aura peut-être plus d'humanité. Donc c'est 118 ans, on s'en fiche. Donc il y a toujours ce problème-là. C'est-à-dire que si on veut avoir des enfants qui ne fassent pas des crises d'adolescence absolument délirantes, il faut peut-être prendre du temps avec eux. Moi, j'ai un privilège, c'est que je travaille chez moi. Et mon épouse aussi, puisqu'elle est coloriste. Et que nos enfants, depuis qu'ils sont petits, ils nous voient tous les jours. Ils nous demandent, même quand je viens là, alors qu'ils ont 16 et 20 ans, ils m'ont dit « Ah bon, tu vas où ? Et pourquoi t'es pas là ?»« Ah ben non, tu pars combien de jours ?» Ah là là. Bon, ils sont tellement habitués à ce que je sois à la maison, à travailler, qu'ils estiment avoir un droit comme ça. L'avantage, c'est que depuis tout petit, ils ont toujours pu expliquer, venir me poser des questions, poser des questions à leur maman. Et on a toujours été disponibles parce qu'on décalait nos heures et on n'était pas avec des horaires et on ne rentrait pas à des heures indues. Ce qui fait que ce sont des enfants qui ont, je dirais, eu une éducation privilégiée. C'est-à-dire qu'il y avait une énorme bibliothèque à la maison, il y avait des montagnes de DVD, de la musique. Et c'était pas juste de la matière qui était là comme ça, mais c'était... S'ils prenaient un livre, ils pouvaient prendre n'importe quel livre, parce qu'un enfant a le droit de poser toutes les questions. C'est les adultes qui inventent les interdits, mais les enfants, eux, savent pas ce qui est interdit, donc ils posent toutes les questions. Et ils pouvaient, comme ça, découvrir des choses et nous poser des questions. Ce qui fait qu'arriver au début de l'adolescence, à cette période, je dirais, qui se situe entre la fin du CM2, 10 ans, le début de la 6e, 11 ans, et jusqu'à la 4e, ils n'arrivaient pas à comprendre pourquoi, en classe, quand on leur demandait de faire un exposé sur quelqu'un de connu, eux, ils ne choisissaient pas le dernier chanteur à la mode ou la dernière vedette télé, mais ils allaient prendre Chaplin, Churchill... Shakespeare ou d'autres gens comme ça. Et ils se sont rendus compte que beaucoup d'enfants n'avaient pas de culture, que les parents avaient de l'argent, travaillaient énormément, et qu'ils comblaient tout le manque en leur donnant un tas d'objets, avec des tas d'appareils pour pouvoir communiquer, mais qu'ils n'avaient pas de culture. Ils avaient autour d'eux, ils ont encore autour d'eux des tas de gamins, parce qu'on habite une région en dessous de Paris où les enfants sont plutôt privilégiés, où ils ont accès à tout, mais ils ne savent pas où chercher. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe ? C'est tout simplement que les parents, c'est à eux, depuis qu'ils sont tout petits, de leur faire découvrir des choses. L'école va donner des repères sur ceci ou cela, des grands repères, va expliquer des techniques pour apprendre, mais on ne peut pas faire ce travail d'échange. Donc ils vont avoir... Il va y avoir beaucoup d'enfants qui auront un héritage, je dirais, économique, intéressant. Mais on va se retrouver avec des générations de gamins qui ont un héritage culturel en baisse. Et c'est déjà le cas. Donc il y a ce problème-là. Donc ça, quand moi je crée des histoires, j'en tiens compte. Et puis, pour en revenir encore à des histoires d'attentats, il y a une dizaine d'années, j'étais intervenu à Montreuil, au salon jeunesse, devant une classe de 60, il y avait deux classes de 30 gamins à peu près, il y avait à peu près une soixantaine d'enfants de la Seine-Saint-Denis. Et puis, j'avais un super pouvoir sur les enseignants, c'est que j'avais été le créateur et le co-créateur d'une série télé qui passe encore sur France Télévisions, qui s'appelle La Famille Pirate. Et donc leurs instituteurs, leurs professeurs pourraient rester des gros nazes. Mais moi j'étais trop une star parce que je travaillais pour la télévision. Donc forcément pour eux la télévision c'est le centre du monde parce que chez eux il n'y a que ça qui compte. Et avec mon co-scénariste Lewis Trondheim, on leur avait expliqué que pour devenir des adultes intéressants, il fallait commencer par être des enfants curieux de tout, ouverts sur tout. Comprendre que les parents ne sont pas parfaits, parce que c'est comme ça qu'on devient aussi adolescent, c'est que l'adolescence, c'est au moment où on voit que ses parents ne sont pas parfaits,
Et puis, suivant le rapport qu'on a eu avec ses parents dans l'enfance, le rapport avec les adultes va être plus ou moins violent. Et donc, comme ils avaient comme référent non pas leurs parents, ces enfants-là, mais ils avaient la télévision. Donc on leur a demandé, ben oui, mais vous voulez faire quoi plus tard? Puis on leur avait donné comme exemple d'un projet d'ambition qu'on pouvait avoir quand on est enfant. On avait pris Champollion. Champollion, quand il était enfant, il a vu revenir d'Égypte les armées napoléoniennes et qui ramenaient, entre autres, la pierre de Rosette. Il a vu ça et puis s'est dit, on ne sait pas ce que ça veut dire, ce texte-là, l'hiéroglyphe. Et il s'est dit, moi, je suis petit, là, je vais apprendre des tas de choses, je vais apprendre des langues, et quand je serai grand, c'est moi qui vais traduire ça. Alors il a commencé à apprendre, à apprendre, à apprendre, donc il est passé de l'enfance à l'adolescence, à l'âge adulte, et il a déchiffré la pierre de Rosette. Donc on leur disait, si on vous met dans la tête, dès maintenant, l'idée de la volonté, hein, je vais pas parler d'Anna Arendt, mais l'importance de la volonté, vous décidez de faire quelque chose, si vraiment vous travaillez à fond, vous mettez tous les moyens de votre côté, vous ne considérez pas que l'école c'est un rempart, une difficulté, mais que c'est un moyen, si vous considérez aussi que vous avez le droit de vous tromper et que c'est l'école, ça sert à ça, ça sert à poser des questions, à se tromper, à réessayer, bah, si vous avez un beau projet, arrivé adulte, vous deviendrez des adultes formidables. Donc on leur dit, on demande aux enfants, toi tu veux faire quoi? Et tous les petits garçons qui étaient dans l'assemblée, ils répondent qu'ils veulent faire du football. Évidemment, ils voient que ça à la télévision, c'est pour eux, ce sont les héros. Et on est en 2002, il y a juste un petit garçon qui dit « Non, moi, monsieur, je veux faire pilote d'avion. » On se regarde avec mon scénariste, on se dit « Ah, c'est bien, il y en a un qui veut faire pilote d'avion. » Et il nous dit « Oui, pour jeter des avions dans les tours aux États-Unis. » Le gamin, il avait 8 ans. Donc maintenant, il a l'âge des terroristes. Et là, on se dit, il y a du boulot. Quelques jours plus tard, j'explique ça à la personne qui est chargée de vendre mes droits à l'international chez Guy Delcourt, placer mes livres, les faire traduire. Et il me dit, bah écoute, c'est pas compliqué, j'ai ma compagne qui dirige des bibliothèques à Stain, en Seine-Saint-Denis, et elle aimerait bien qu'un auteur vienne expliquer aux enfants de ces quartiers-là, dans sa bibliothèque, son métier. Ce serait bien que tu viennes. Donc j'y vais. Puis pendant une semaine, je vois passer des classes d'une trentaine d'enfants avec des enseignants au bord de la dépression, ou des fois complètement dépressifs, qui devaient fonctionner au Valium, qui avaient vraiment des têtes, voilà, on a l'impression qu'ils revenaient de Syrie. Et un jour, je compte, je devais avoir une trentaine d'enfants, une quarantaine, il en manquait un. Et je demande, voilà, il est malade, il n'est pas là, on était en janvier. Et on me répond, bah non, il n'est pas venu, c'était des CP. Hein. Il n'est pas venu parce qu'il est venu ce matin avec un pistolet à grenaille dans son sac. Donc il a été expulsé de l'école. Et il y avait parmi ses enfants, des enfants qui avaient des tongs. On était en janvier, il faisait froid. Puis les enseignants m'expliquaient qu'il y avait beaucoup d'enfants où, à la maison, les parents mettaient une assiette à l'entrée sur une commode près de la porte, mettaient de l'argent et partaient 3 mois dans leur pays, ailleurs, même en France, en Guadeloupe, Martinique, n'importe où, mais ils laissaient leurs enfants comme ça. Et puis pendant une semaine, j'ai vu plein d'enfants comme ça, et le pouvoir que j'avais, c'est qu'effectivement, ils regardaient toujours la télévision, j'étais le monsieur qui faisait le dessin animé qui regardait, et donc j'avais le pouvoir de dire ce que les enseignants ne pouvaient pas dire, de leur dire qu'il fallait poser des questions, qu'il fallait apprendre à écrire, qu'il fallait se bagarrer, qu'il fallait prendre tous ces outils, que c'était une chance inouïe et que tout le monde sur la Terre n'avait pas cette chance. Donc j'avais cette chance-là, et en échange, je pouvais leur faire des dessins pour leur expliquer tout ça. Donc ils étaient contents. Et puis, la directrice de ces médiathèques, bibliothèques, me dit « Alors, qu'est-ce que t'en penses ?» Et là, on était toujours en 2002, et je lui dis « Bah, c'est pas compliqué, en fait, il faut prendre des avions, il faut les charger d'éducateurs, puis il faut les parachuter dans toute la région, parce qu'autrement, on s'en sortira pas, et dans 10 ans, on va avoir des hordes de terroristes. » Et puis, en fait, on y est. Donc à partir de ça, on se dit... On fait quoi? Quand il y a eu l'attentat de Charlie Hebdo, quelques jours plus tard, on était invité par le directeur de d'Argo, enfin le PDG de d'Argo, Dupuis, plusieurs maisons d'édition de bande dessinée, et PDG aussi d'Ellipse Anime, qui est producteur de La Famille Pirate. Et puis on s'est dit, bah,
nous, notre travail, c'est de faire des livres pour les enfants, pour les jeunes, pour les adultes. Mais d'abord, la bande dessinée, ça s'adresse principalement, quoi qu'il en soit, encore aujourd'hui, d'après les études du ministère de la Culture, principalement aux enfants et aux adolescents. Et on s'est dit qu'effectivement, on avait un rôle à jouer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas raconter les choses comme on les a racontées avant. On ne peut pas cibler les gens de la même manière. Et qu'il fallait tout revoir, quoi, tout refaire. Et donc là, par exemple, on avait fait un numéro spécial de Spirou, où on avait fait des dessins sur ce qui se passait, parce que Spirou s'adresse aux enfants, donc ça permettait aux enfants, de, en ayant ce numéro, de ne pas avoir Charlie, qui n'est pas du tout pour eux, c'est vraiment pour adultes, et en plus pour adultes prévenus, je dirais, qui savent de quoi ça parle, parce que c'est quand même souvent assez raide, mais bon, c'est très français. Et donc, il y a eu un écho par rapport à ce journal qui a été réimprimé, et beaucoup d'écoles ont vu que, bah, il fallait des outils différents pour pouvoir parler de ceci, cela, quoi. Donc là, l'équipe de Spirou, sans son rédacteur en chef, parce qu'il ne peut pas être partout, on va lancer un nouveau magazine en janvier, qui s'appellera Groom, qui ne sera pas un magazine déconnecté, je dirais, comme Spirou, où Spirou, on rigole, on est dans un monde intemporel. Et en fait, l'actualité n'a jamais sa place. Et je crois que le problème, c'est de faire des œuvres pour les enfants qui sont vides. Il ne faut pas faire ça. C'est-à-dire qu'il faut faire des, il faut parler de choses, sans l'air de les dire, qui obligent les enfants à réfléchir. Par exemple, il y a des gens qui me reprochent, et ça m'a, j'ai vu ça plusieurs fois sur Internet, des critiques, de gens qui me disent « Oui, mais là, vous abordez un problème. Moi, j'ai pas envie de parler ça à mon enfant parce qu'il a 8 ans, 9 ans, et que je veux encore qu'il reste dans le monde de l'enfance. Parce que c'est un monde violent, le monde dans lequel on est, puis il découvrira ça plus tard. » Moi, je crois pas que ce soit une bonne idée. Quand j'ai fait La Famille Pirate, on a tout fait pour aller contre France Télévisions, qui voulait qu'on lise tout, qu'on aplanisse tout. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui ont critiqué mon dernier bouquin parce que j'abordais un problème. C'est-à-dire que c'est une bande dessinée pour les enfants, mais comme toutes mes bandes dessinées, en fait, il y a un niveau enfant, et puis il y a un niveau un peu plus compliqué, avec un vocabulaire un peu plus compliqué, qui est un niveau adolescent, avec un regard sur l'enfance. Parce que quand on est adolescent, en fait, on a un peu honte d'avoir été un enfant. Alors on veut faire croire que les parents qui viennent nous chercher à la sortie de l'école, c'est pas les nôtres, que la grand-mère qui nous dit « Alors mon petit chéri, il ferait mieux de se taire parce que franchement, on la connaît pas, cette dame-là. » Mais tous les enfants font ça. Et puis qu'on n'a plus de doudou alors qu'en fait, on le planque, on l'a encore. Et puis quand on a un petit garçon, on fait croire qu'on n'a plus son doudou. Et puis alors, les filles ont moins de problèmes avec ça. Et puis si elles apprennent que leur petit copain, il a un doudou, elles trouvent ça très bien. Elles trouvent ça rassurant, il est un peu moins macho. Et toutes ces questions-là, bah, c'est des choses que quand on est auteur, on regarde autour de soi, puis on les accumule, on les note. Puis après, on les réintègre dans ce qu'on écrit. Et donc, pour prendre l'exemple d'Astrid Bremur, bon, bah, je m'étais dit, je vais prendre un thème vraiment pour l'enfance, qui était quand on perd ses dents. Et avec mon éditrice chez Rue de Sèvres, on s'était dit, ouais, mais il y a toujours des livres pour les tout-petits, les enfants qui ne sont pas encore entrés à l'école, sur les dents qu'on perd. Or, c'est idiot, parce que les dents, on les perd quand on rentre en primaire. Donc faire des livres pour les enfants qui ne savent pas encore lire sur des dents qu'on perd, ça ne les intéresse même pas. Ils viennent à peine d'avoir des dents qui ont poussé, comme ça, et ils les perdent pas encore. Donc il faut faire des livres pour des enfants un peu plus grands. Et je me suis rendu compte déjà qu'en s'adressant à des enfants du primaire, après on a regardé à quel âge on perd les dents, etc. On s'est rendu compte que jusqu'en CM2, il y a des enfants qui me suis rendu compte dans les dédicaces qui venaient de me parler de leurs dents. Ils avaient perdu leurs dents. Donc je me suis dit, on se trompe souvent sur les thèmes qu'on choisit comme ça pour les enfants. Mais ça ne me suffisait pas, ce thème des petites dents, parce que c'est bien gentil. Et je m'étais dit, bon, à l'intérieur de ça, parce que c'est comme un petit bonbon acidulé, cet album, je vais parler d'un autre problème, la télévision, milieu que je connais quand même depuis 1988, puisque j'ai parallèlement une carrière d'auteur dans la bande dessinée, dans l'illustration et la presse. J'ai travaillé pour plein de studios de dessins animés, et pour des dessins animés français, des dessins animés américains. Et dans les années 90, je travaillais pour des studios en Californie,
qui faisait des séries télé. Et pour financer ses projets de dessins animés, il contournait la loi. C'est-à-dire que c'était des entreprises qui fabriquaient des jouets qui voulaient contourner... Ouais, je me suis mal exprimé. C'était des entreprises qui fabriquaient des jouets qui voulaient utiliser la télévision pour vendre leurs jouets, faire de la publicité. Mais la publicité en Californie dans les années 90 était très limitée. Et donc... un spot, c'est 20, 30, 50 secondes. C'était très court. Et eux, leur truc, c'était donner de l'argent à des sociétés de production de dessins animés pour faire des séries de 26 fois 26 minutes, 26 fois 52. Donc, c'est des formats comme ça, la télévision, comme les packs de bière. On en achète pourtant. Ça fonctionne comme ça. C'est des grilles avec des... Il faut remplir des cases, c'est ça, la télévision. Tout est calculé pour vous attraper le matin et que vous regardiez la même chaîne jusque le soir. Les directeurs de chaîne connaissent toutes ces méthodes par cœur pour manipuler tout le monde. Et la méthode, c'était de financer des entreprises, comme ça, qui produisaient des dessins animés. Ils créaient toutes pièces des personnages, ils fabriquaient ces jouets, et comme ça, les enfants regardaient 26 minutes, un épisode de 26 minutes, tous les jours. Ils allaient au supermarché, les malls américains, nos supermarchés, nos grands centres commerciaux, ils voyaient les jouets en magasin, ils demandaient à leurs parents de leur acheter. Donc c'était ni plus ni moins une technique de marketing pour manipuler les enfants. Donc quand j'ai fait cette histoire-là d'Astrid Bromure, c'est une histoire de petite souris qui manipule les enfants pour les forcer à acheter un tube d'un dentifrice, une marque de dentifrice. Et j'ai eu des réactions de gens qui ont dit « Ouais, mais c'est pas bien de montrer, c'est sournois, c'est pervers de montrer ça à des enfants, de démonter tout un système, d'expliquer à des enfants ces systèmes-là. » Je me suis rendu compte qu'en fait, l'album qui s'adressait à des 7-10 ans allait jusqu'à 12-13 ans. Ça les intéressait parce que c'était la façon la plus simple de démonter une mécanique. Donc j'ai eu des gens qui ont critiqué, puis j'ai reçu un mail de la directrice des programmes de Canal+ pour la jeunesse qui m'a dit que c'était bien d'expliquer ça aux enfants parce qu'elle ne supportait pas ces méthodes-là et qu'en même temps c'était un peu la faute des parents parce que les gens qui dirigent les chaînes, leur boulot c'est pas de regarder sans arrêt, c'est pas de se substituer aux parents, c'est aussi aux parents de dire non, tu regardes ça, tu regardes pas ça. Les chaînes font ce travail sans arrêt d'essayer de voir ce que les enfants vont regarder, plus ou moins. Mais ils peuvent pas le faire, ils peuvent pas être derrière tous les adultes. Ils le font, mais pas toujours. Je me souviens par exemple de France Télévisions, quand on faisait La Famille Pirate, il y avait les programmes étaient montrés le matin, et puis il y avait des petites pastilles pour présenter le programme le soir. Donc on regardait un dessin animé. On avait une pastille de 2 minutes où on montrait le programme du soir qui était carrément pour adultes, avec tout ce qu'on veut, des coups de Kalachnikov et tout ce qu'on voudra. Puis après, on remettait les dessins animés. Puis pendant ce temps-là, les parents font autre chose et les enfants voient ces images. J'ai demandé à France Télévisions pourquoi ils faisaient attention dans tout ce qu'on écrivait, à chaque mot, chaque action, etc. Et quand il y a des questions d'une annonce pour adultes, on sourit, mais il n'y a pas eu de réponse. Donc vous voyez, c'est un métier compliqué parce que finalement, tout le monde pense qu'on fait des petites bandes dessinées, des petits dessins animés, tout ça, mais derrière, il y a une conscience à avoir. C'est-à-dire que je sais que si je fais, quand on faisait un dessin animé de La Famille Pirate, je savais que le samedi matin, c'était à 9h20, je crois que ça passait, il y avait 3,5 millions de personnes qui regardaient. Quand on s'adresse comme ça à une masse de gens énorme, faire attention à ce qu'on raconte, parce que ça a un impact. Surtout si c'est un épisode de dessin animé qui va être diffusé en boucle pendant des années et qui est passé, il y a des épisodes qui sont passés plus de 500 fois à la télévision depuis. Mais en même temps, il y avait toujours le cynisme de la télévision de dire oh, n'abordez pas ce problème, les enfants sont trop petits, là c'est plus pour les ados, c'est plus pour les adultes. Et ils voulaient qu'on cible enfants. Et nous, on ne voulait pas cibler enfants, on voulait cibler les familles. Notre idée, c'était que faire un programme où on pouvait faire venir les tout-petits, leurs grands frères, grands sœurs, pré-ados, ados, et que les parents viennent aussi regarder le programme. Alors au début, on nous a dit « Ouais, mais ça se fait pas, ça, la télévision en France, c'est pas comme ça qu'on fait, personne le fait. » Et puis quand au bout de 3 semaines, on avait 90,5% de part de marché, ou un truc comme ça, un truc énorme, après on nous a dit « Faites ce que vous voulez. »
Heureusement, on avait déjà tout fait avant, mais on a pu arriver plus facilement à faire passer des sujets qu'ils ne voulaient pas voir. Des sujets qu'ils ne voulaient pas voir, par exemple, c'était un famille pirate, il y a le papa, la maman, il y a l'adolescente, et puis il y a le petit garçon. Donc lui, il représente les enfants. Scampi représente les adolescents, et puis les parents, quoi. Et souvent, le père se comporte vraiment comme un adolescent. Donc quand on regarde bien, la personne la plus responsable et la plus adulte, c'est Lucille, la mère. Et donc, on avait un sujet où la mère en avait marre du comportement de son mari qui faisait rien à la maison, etc. Et qui décidait de partir, de quitter le foyer, quoi. Ça, on ne pouvait pas le montrer en 99 à la télévision pour les enfants, parce que c'était trop violent, soi-disant. Et nous, on rétorquait que, bah oui, mais en 99, déjà, ça n'a pas tellement changé aujourd'hui. Si on prenait Paris, il y avait déjà plus de la moitié des enfants, quasiment, qui étaient dans des situations comme ça. Donc, puisque ça existe, pourquoi on ne peut pas en parler ? Récemment, j'ai eu une discussion avec Zep là-dessus, qui pense exactement la même chose, qui pense qu'avec les enfants, les adolescents, on peut aborder absolument tous les sujets. Simplement, on ne peut pas les aborder de la même manière. C'est-à-dire qu'il faut, comme toujours, mettre des strates. Et il me parlait de l'exposition Zizi sexuelle qui s'est tenue à Paris, à la Villette, en me disant que y a beaucoup d'enseignants qui lui ont dit merci parce qu'eux, ils ne savaient pas comment parler de ces questions-là. Et lui, il me disait il fallait les désamorcer avec de l'humour, avec des choses un peu ridicules et faire tomber la pression, quoi. Donc il avait travaillé avec des enseignants, des pédagogues, des scientifiques, plein de gens. Et c'est très bien passé comme ça. Après, il y a eu des gens qui sont venus contester cette exposition en disant qu'il ne fallait pas, etc. Moi, je pense toujours qu'il faut aborder absolument toutes les questions. Mais le problème, c'est comment le faire. Et donc, quand on est auteur, la façon de faire, c'est déjà d'avoir une bonne mémoire. C'est de se souvenir comment on a été quand on était enfant, quelle adolescence on a eue, comment étaient les adolescents autour de soi. Et en écrivant sur chaque ligne, se demander si c'est cohérent avec ce qu'on est, parce qu'on peut parler que de soi. Moi, je ne suis pas un homme politique qui dise « les Français pensent ceci, cela ». Moi, je ne suis pas 65 millions de personnes. Je suis incapable de parler au nom de 65 millions de personnes. Eux, ils sont très forts, ils sont capables de le faire. Je ne sais pas comment ils font, mais ils y arrivent. Généralement, ça ne marche pas, mais ils arrivent à le dire. Après, est-ce qu'ils le pensent, je ne sais pas. Mais je ne peux parler que de mon expérience. Et j'ai une très bonne mémoire, j'ai de la chance, j'ai une mémoire tellement précise que j'arrive même à me souvenir du prénom des femmes de service à la maternelle. Ça sert à rien, mais j'ai ce super pouvoir. J'arrive à me souvenir de la forme du carrelage au sol à la maternelle aussi. Et, j'arrive à peu près à me souvenir de au moins 90% de tout ce que j'ai vécu depuis que je suis petit. Donc déjà, je me sers de tout ça. Ensuite, j'ai eu une adolescence assez particulière parce que quand j'étais enfant, j'habitais au Mans jusqu'en CM2. Et puis mes parents m'ont mis en vacances, je suis parti en vacances à la fin du CM2 chez mes oncles et tantes à Paris. Et pendant que j'étais en vacances, ils ont eu la super idée de déménager, de changer de ville, mais je ne savais pas. Donc à la fin des vacances, ils sont venus me rechercher, puis ils m'ont dit qu'on avait déménagé. Donc j'ai pu dire au revoir à personne. Donc pour moi, l'enfance, ça a été une espèce de moment comme ça, qui s'est arrêté d'un coup. Une rupture brutale, quoi. Si bien que c'est peut-être pour ça aussi que j'ai une bonne mémoire, c'est que j'ai essayé de conserver tout ça. Et de cette enfance-là, je me souviens vraiment de ma façon de me comporter avec les autres, les détails, toutes ces choses-là. Et c'est tout ça dont je me sers. Ensuite, je me suis retrouvé au collège dans une ville que je n'aimais pas, qui était Laval, en Mayenne. Je détestais cette ville. J'étais complètement déprimé, donc je commençais à travailler très mal. Mais on me faisait passer d'une année... on me faisait sauter comme ça les classes, parce que même si j'étais nul, on m'avait fait passer des tests, puis on s'était rendu compte qu'en fait, je comprenais très bien tout ce qui se passait, sauf que ça ne m'intéressait pas de travailler. Et puis à un moment, j'ai appris qu'il existait une école supérieure d'art appliqué à Paris qui correspondait à ce que je voulais faire, des bandes dessinées, parce que j'avais décidé de faire des bandes dessinées à l'âge de 6 ans. Donc là, je me suis motivé, et puis de dernier de la classe, je suis devenu premier du jour au lendemain, quoi. J'ai travaillé comme un fou. Et je suis arrivé à Paris, j'avais 15 ans.
Donc à 15 ans, j'habitais plus chez mes parents. J'avais mon studio et je me débrouillais tout seul. Ce qui faisait que ma crise d'adolescence, je me suis révolté non pas contre mes parents, parce qu'ils n'étaient pas là, je ne pouvais pas, ils étaient à 350 km. Donc je me suis révolté contre mes profs, quoi, contre le directeur de l'école. Ma façon de me révolter, c'était de devenir délégué de classe, contester toute l'autorité comme ça, quoi. Et je voyais les autres élèves dans la classe qui, eux, étaient de vrais adolescents, où les parents, ils avaient des luttes contre les parents et tout ça. Mais moi, pour moi, c'était étrange, je le voyais à distance comme ça. Et eux, ils trouvaient que c'était génial, ma vie, parce que je pouvais faire ce que je voulais. Sauf qu'ils n'arrivaient pas à comprendre qu'ils rentraient chez eux, que leurs parents faisaient à manger, qu'ils lavaient leur linge, enfin bref, tout était fait. Et que moi, j'arrivais chez moi, il fallait que je fasse les courses, il fallait que j'aille au lavomatique, il fallait que je gère mon budget, il fallait que je fasse tout ça, quoi. Donc ça me faisait un peu peur, l'adolescence. Et du coup, comme j'ai été adolescent très peu de temps, je l'ai vu comme ça, hein, et puis j'ai regardé, et j'ai vu qu'il y avait plusieurs façons d'être adolescent. Ce qui fait que je suis arrivé très vite dans l'âge adulte, quoi. Et je me rends compte que finalement, ma crise d'adolescence, je l'ai passée dans un studio d'animation avec Danny Boone à faire que des conneries. On n'avait rien d'autre à faire que des bêtises tous les jours, donc on les faisait. Et ensuite, j'ai eu des enfants et je me suis dit, ouais, mais mon adolescence est assez particulière, comment je vais faire ? Et puis, je me suis rendu compte que ce n'était pas compliqué, en fait. Si on est toujours à observer ce qu'ils font, à pas critiquer si, mais à essayer de comprendre avant de juger, à les laisser même quand ils sont plus petits, critiquer ce qu'on fait, bah finalement le passage à l'adolescence se fait beaucoup mieux, il n'y a pas de crise. Enfin moi, chez moi, il y a les enfants pour l'instant, j'ai jamais vu une seule crise, ils peuvent se moquer de moi et je peux aussi leur faire comprendre que j'ai autorité, mais il n'y a pas de révolte, J'avais peur de tomber dans cette situation avec des adolescents que je n'avais pas connus, mais finalement, ils sont assez responsables. J'ai de la chance, ils travaillent très bien à l'école, ils pourront faire ce qu'ils veulent. Et je me dis, bon, bah, y a certainement une façon d'éduquer les enfants. Et je pense aussi que c'est parce que depuis qu'ils sont petits, j'ai observé, ils ont vu comment je faisais mes livres, ils ont participé à cette création, j'ai tenu compte de ce qu'ils vivaient pour écrire des histoires. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui venaient à la maison, puis je remarquais des détails, je les voyais grandir, et à chaque fois, je me suis nourri de tout ça, quoi. Donc, le passage de l'enfance à l'adolescence, plus les rapports sont très clairs avec les enfants quand ils sont petits, moins l'adolescence est violente. Et plus la réconciliation entre les deux, enfance-adolescente, peut se faire. Ça peut construire des adultes plus solide. La difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de gens, aujourd'hui, je trouve, qui restent très adolescents et très longtemps, qui commencent très tôt à être adolescents, et qui restent adolescents à peu près toute leur vie. Et j'ai remarqué qu'en fait, beaucoup de ces gens-là ont un problème avec leur enfance. Ils voudraient rester adolescents. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'en fait, ce qu'il y a de puissant dans l'enfance, c'est l'imaginaire. L'imaginaire, voilà. C'est un truc qui, sans quoi on peut rien faire. L'adolescent, lui, ne cherche pas à être dans l'imagination, il cherche à être dans la vérité. Donc il devient du coup, paradoxalement, manichéen. C'est-à-dire qu'il trouve que la guerre, c'est mal. Bah oui, c'est vrai. Il est toujours en contestation de tout ça, mais c'est nécessaire, parce qu'il a besoin de se dire, mais on m'a raconté tout ça quand j'étais petit, mais en fait, c'est pas comme ça, le monde. Et ils ont raison, c'est pas comme ça, le monde. Le seul problème, c'est qu'il y a un moment, il faut se dire que c'est pas comme ça, mais que l'imaginaire, que la fiction, elle sert aussi à expliquer ce « c'est pas comme ça ». C'est-à-dire que on peut pas, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, c'est impossible d'avoir une vision globale du monde. On pouvait l'avoir à l'époque de Descartes, parce qu'il n'y avait pas tant de choses que ça à comprendre, à connaître, puis on connaissait pas tant de choses que ça. Mais aujourd'hui, d'essayer d'imaginer qu'il y a autant de milliards d'individus, qu'il y a autant d'espèces animales, végétales, etc., que l'univers est si vaste, qu'il y a autant de choses à connaître, personne ne peut. Et le seul moyen d'arriver à essayer de comprendre ces problèmes-là, c'est en faisant des projections. Et donc la fiction sert à faire ces projections-là. Et finalement, quand on est petit, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire à vos enfants, on leur raconte des contes, on leur écrit des petites histoires toutes simples, on leur donne des jouets, mais tout ça, c'est la même chose. On donne ça
dans le but que les enfants arrivent à comprendre comment le monde dans lequel ils sont fonctionne. C'est-à-dire on part d'un point quand on est enfant, et petit à petit, on met des cercles autour. Voilà, c'est comme un oignon, voilà, il y a son cœur, et puis il y a des peaux successives qui se font. Ce qui fait que le cœur de l'oignon ou le point, il ne disparaît pas, le centre ne disparaît pas. Et il ne faut jamais perdre ce centre-là. Et les fictions permettent d'arriver à relativiser tout ça. Elles permettent tellement de comprendre tous ces scénarios-là que, arrivé adulte, quand on n'arrive pas à comprendre des situations, écrire des livres, faire des séries télévision, toutes ces œuvres-là, ça permet de trouver une situation, de camper une situation, de simplifier tout ça et de voir comment tout ça réagit. C'est-à-dire que ce n'est pas en faisant des courbes, des graphiques, des choses comme ça qu'on va comprendre le monde, c'est plutôt en le projetant avec l'imagination. Alors ça peut être avec des histoires, ça peut être avec des dessins. Et dessiner, c'est important aussi, c'est même très très important, parce que là, vous êtes assis sur des chaises, si elles n'étaient pas dessinées, vous seriez assis par terre, et puis comme ce ne serait pas dessiné par un architecte, vous seriez tous assis sur la terre. Donc c'est important, même si à l'école, on nous apprend que tout ça, c'est pour les bébés, de savoir dessiner. C'est tellement important de savoir dessiner que, par exemple, une des solutions pour la COP21, pour imaginer l'avenir, dans quel monde on va vivre, c'est encore d'avoir un scénario, hein, d'imaginer des choses, mais pas avec des chiffres et des quotas, je sais pas quoi, mais mon fils fait des études d'architecture, il est bien évident que les architectes, eux, ils travaillent dans quelque chose de concret, ils font des plans et puis ils vont imaginer comment sera la ville de demain, comment on va pouvoir vivre là-dedans, puis ils vont voir si c'est possible ou pas, si on peut rentrer là-dedans. Puis si on ne peut pas rentrer là-dedans, ça ne marchera pas. Et ce n'est pas parce que des gens vont décider qu'il faut faire des moteurs qui polluent moins que les industriels arriveront à faire des moteurs qui polluent moins. Par contre, des menteurs arriveront à faire croire qu'ils y sont arrivés. Puis tout le monde après dira « Oh, on nous a menti !» Bah oui, évidemment qu'on nous a menti. Pourquoi ? Parce que les adultes sont encore des grands enfants. Ils n'ont même pas vu qu'on leur avait menti. Donc c'est toujours le même problème, on en revient toujours au même truc, c'est que pour devenir un adolescent, en fait, il faut être un enfant, il faut rester le gamin qu'on est avec son regard candide, à poser des questions insupportables, à des questions qui dérangent, de dire ce qu'il ne faut pas dire. Et les artistes servent à ça, à poser les questions qu'il ne faut pas poser. C'est-à-dire... on n'apprend pas à être artiste. Moi, je suis passé par 2 écoles d'art avant de claquer la porte parce que je me suis rendu compte qu'on m'apprenait des techniques. Mais comme j'avais commencé à apprendre des techniques de dessin à l'âge de 10 ans, ça faisait déjà 12, 13 ans que j'avais des années d'études de dessin derrière moi, donc les techniques, je les connaissais. Mais on n'apprend pas à être un artiste parce que un artiste, il invente ce qui n'existe pas. C'est-à-dire que... il va à un endroit où on n'a pas encore mis la lumière et puis il essaye de voir comment tout ça pourrait fonctionner. Donc il a exactement le même comportement qu'un enfant qui ne sait pas où il va et qui pose des questions et qui teste et puis il se plante et puis ça avance, etc., etc. Donc ça nourrit. Et puis ensuite, quand je fais des livres, par exemple, il y avait un album qui s'appelle Jardin Sucré où il y a une petite fille qui pense que ses parents lui ont offert pour Noël un panda, et le panda pense que lui, on lui a offert pour Noël une petite fille. Ça peut paraître tout bête, mais c'est toujours ce même problème, c'est la question de qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est fiction, qu'est-ce qui ne l'est pas, pourquoi on voit le monde comme ça, est-ce que c'est logique tout ça, et pourquoi, est-ce que c'est vraiment logique, ou est-ce que ce sont des histoires qu'on nous a inventées et qu'on nous a répété 10 000 fois, qu'on nous a mis dans la tête. Voilà, par exemple, avec des choses toutes bêtes comme ça, on va pouvoir contester, on va pouvoir prendre des éléments très simples de l'enfance, on peut prendre un dessin enfantin et faire passer des propos plus adultes, c'est-à-dire d'abord plus adolescents, puis de ça, plus adultes. Voilà, ça fait du temps, là, j'ai encore pour combien de temps à parler, là ? 5 minutes encore à parler. Donc du coup, dans toute mon œuvre, c'est toujours cette question-là. Et quand c'était La Famille Pirate, c'était pareil. C'est-à-dire que chaque personnage incarnait une génération. Donc il y avait... Et tout était même calculé pour être comme ça. On savait, par exemple, que pour
pour les tout petits qui avaient 4 ans, il fallait des animaux. Alors on mettait un crocodile et une poule. Et puis après, il fallait un petit garçon. Et puis il fallait. Et tout était stratifié comme la société est. Et grâce à ça, bah, l'enfant, il comprend ce qui est de son niveau à lui. Et puis, il y a l'étage au-dessus, c'est-à-dire, il a envie de comprendre ce qui est plus pour les plus grands. Il y a des mots qu'il ne comprend pas. Mais même si un enfant ne comprend pas tel mot, il comprend le sens global. On apprend tous comme ça, finalement. Et donc, il va passer de cet étage. Il va revoir le dessin animé, il va passer de cet étage-là à l'étage suivant, etc., etc., etc. Et comme tout est mis dans le même panier, l'œuvre permet effectivement ce passage de l'enfance à l'adolescence avec la même œuvre. Ce qui n'est pas l'idée de tous les rois du marketing qui dirigent beaucoup de chaînes de télé ou de magazines pour enfants. Il y en a beaucoup qui pensent, par exemple, que quand on s'adresse de tel à tel âge, il faut vraiment s'adresser de tel à tel âge, et qui vous diront qu'il ne faut pas utiliser tel mot parce qu'un enfant de tel âge ne le connaît pas, etc. Qu'il ne faut pas montrer ça parce que, et qu'on le montrera dans, parce qu'ils font ce qu'on appelle, ils parcellisent le marché. Quoi. Là, ils font des tranches comme ça, ils découpent et ils considèrent que de tel âge à tel âge, on pense comme ça, puis on va grandir. Alors on va abonner les enfants au journal de l'âge du dessus, puis on va grandir, etc. Mais c'est idiot, personne ne fonctionne comme ça. On ne se lève pas un matin et puis tac, on a grandi de 10 cm et puis on a des poils partout. Et puis pour tous les individus, ce n'est pas la même chose et ça se respecte. Et ça, c'est beaucoup plus perméable. Donc de la même manière, quand on fait un livre pour les enfants, pour les adolescents, et qu'on fait un livre qui va de l'enfant à sa adolescence, il faut toujours penser à cette perméabilité et au fait que les enfants ne connaissent pas tout, mais qu'ils sont toujours curieux de tout, et que si les adolescents, eux aussi, ont toujours tendance à considérer, comme disait Mick Jagger, c'est-à-dire que Mick Jagger disait que pour plaire aux adolescents, il suffisait de dire que leurs parents étaient des vieux ringards. Bon, non, pas vraiment. C'est-à-dire que effectivement, ils voient les failles de leurs parents, mais si les parents eux-mêmes voient leurs propres failles et qu'ils sont capables de dire devant leurs enfants, bah oui, je suis pas parfait, l'adolescent, il comprendra très bien ça. Et au contraire, ça va le sécuriser de voir que ses parents admettent qu'ils sont pas parfaits. Et l'échange va être possible. Donc moi, je suis absolument contre cette idée de penser qu'il faut découper en tranches comme ça, les tranches d'âge, qu'il faut mettre des petites boîtes et ranger les gens dedans. Et je pense qu'il y a des enfants qui, très tôt, comprennent très bien des choses très compliquées. Moi, ma gamine à 3 ans avait parfaitement compris que si les Chinois vendaient tout moins cher, ils finiraient par tout vendre et tout produire. C'était évident, il n'y avait pas besoin d'avoir fait l'ENA pour comprendre ça. Les enfants sont capables de comprendre des choses très simples et souvent quand on est adulte, si on les écoute, on se dit « Ah, ça c'est en fait c'est une pensée très simple. C'est tellement simple que j'avais oublié qu'on pouvait penser à ça. » Ça, ça nourrit une œuvre et cette œuvre ensuite, les gens ils se retrouvent dedans parce que ça, tout le monde le vit, tout le monde l'a vécu. Donc du coup, les gens adhèrent à ce qu'on dit. Et voilà, de fil en aiguille, il y a des passages et il y a différentes formes d'adolescence. Moi, j'ai eu la mienne très particulière. Je voyais les autres qui avaient des tas de conflits avec les parents. Puis je me suis rendu compte aussi que mes parents avaient une adolescence un peu particulière et il faut du temps pour accumuler tout ça. Et je me suis aussi rendu compte que quand j'avais 20 ans, que je voulais faire des livres, que je connaissais pas grand-chose. Que je sortais à peine de l'école, que j'avais lu quoi, quelques bouquins, L'homme sans qualité, j'avais lu de Robert Musil, j'avais lu quoi, tout Oscar Wilde, j'avais lu pas grand chose quoi, peut-être 200 livres, c'était rien. Puis j'avais compris que juste un truc, c'est qu'il fallait énormément de temps et accumuler énormément de choses avant de pouvoir commencer vraiment à écrire quelque chose qui puisse s'adresser à plusieurs âges. L'avantage aussi, en étant passé par l'expérience télévisuelle, c'est que pour écrire une histoire, on était
une dizaine de personnes qui se réunissaient dans une salle. Donc on apprend sur les autres, on gagne du temps. Mais il faut du temps, en fait, pour arriver à synthétiser tout ça. De la même manière, je pense qu'il faut du temps pour se rendre compte qu'on n'est plus un adolescent. Et je pense que... Moi, j'ai pris conscience, j'étais sorti d'adolescence quand j'avais 36 ans. Quand j'ai enfin compris pourquoi mon rapport à mes parents était si compliqué, pourquoi je ne comprenais pas ma mère, pourquoi l'histoire de ma mère était si compliquée, etc., etc. Donc il fallait que je fasse la synthèse de plein de choses, comme si je faisais une analyse avant de pouvoir me dire « maintenant je vais pouvoir m'exprimer et raconter des choses pour les autres ». Ensuite, c'est toujours pareil, pour pouvoir raconter quelque chose, c'est en partant des situations. Les situations, elles sont partout, simplement il faut les voir, quoi. Il faut les capter, et puis il faut les synthétiser pour en faire des fictions. Et on revient toujours à cette histoire de fiction et du réel. Et pour moi, c'est un peu ça, c'est-à-dire que l'enfance, c'est l'âge de l'imaginaire, de la fiction. L'adolescence, c'est la prise conscience du réel. L'adulte, c'est la synthèse des deux, c'est-à-dire comprendre qu'on a besoin de la fiction pour expliquer le réel et que le réel nourrit la fiction. Et que si on n'est pas capable de comprendre ces deux choses-là, on ne peut pas vraiment devenir un adulte. Même si on a 90 ans, on peut rester un adolescent. Voilà. C'est un peu perturbé ce que je dis, mais...